de père en fils, même de grand-père, on peut dire chez nous. Moi, j'ai mes deux grands-parents qui faisaient le métier, mes oncles et tout. Donc oui, moi, j'ai jamais eu de questions à me poser sur ma profession. Dès que j'étais enfant, c'était les poneys avant le foot. Et puis, bah, dès qu'on a pu, le métier, quoi. Notre métier prend beaucoup de temps, donc on n'a pas trop la tête ailleurs, malheureusement. Mais moi, je suis dans mon élément, je fais ce que j'aime. Et tous les jours, je prie pour recommencer, pour que ça se passe comme la veille. Quand on a des graves ennuis de santé et qu'on n'est pas loin de l'autre porte, c'est dur. Donc oui, moi j'étais jeune, j'avais 16 ans, 16, 17 ans, c'était très très dur. Je pense qu'on avance plus vite, on mûrit plus vite et on progresse plus vite. Je pense que moi je l'ai pris comme ça, un peu comme un coup de pompe dans les fesses comme on peut dire. Et de toute façon, il n'y a pas le choix, il faut pas se poser de questions, il faut y aller comme on disait. Donc je pense que ça m'a permis de gagner du temps dans les années. Ah, c'est sûr que ça manquait peut-être un petit peu de manœuvre. Après, il m'a aidé différemment. Hein. Quand on n'est pas dans le ski, on a une autre vision des choses qui est très bonne aussi, je pense. Donc il m'a beaucoup apporté, mais différemment. Et puis, on peut aller. Mais d'avoir les fermées peut-être. Elle est souple ou quoi? Elle est souple ou quoi? Ouais. Elle fait pas sûr dans ses... ça va pourtant, mais c'est des carrés dans les virages. Comme je vous dis tout à l'heure, on se pose pas trop de questions. On avance au jour le jour. Et il y a rarement eu de clash, hein. On s'est toujours bien entendu. Je l'écoute et puis lui, malheureusement, il avait pas trop le choix de me laisser faire, même quand j'étais un peu en erreur. Donc il essayait de me recadrer quand il y avait besoin. Mais je vous dis, on s'entend bien et moi je reste pas dans mon truc, hein, j'écoute les conseils, donc on avance bien. À un moment, j'adore monter, j'adore driver pour des entraîneurs extérieurs. Mais l'écurie c'est important aussi, et puis j'adore entraîner aussi. Et à un moment, c'est vrai que j'étais plus... prioritaire sur mon entraînement que sur mes montées extérieures. Ça c'est sûr que ça l'a joué. En plus, j'ai eu la chance de tomber sur des bons chevaux, des excellents chevaux qu'il fallait bien s'occuper. Donc oui, ça a été le cas. Moins l'année dernière, parce qu'on a plus joué l'étrier d'or. Donc forcément que c'était différent. J'ai plus misé sur les montes. Mais bon, on a quand même fait notre année. J'ai fait un super début d'année. Juste avant le confinement du mois de mars, j'étais en tête, j'avais fait super belle année, plein de gagnants, plein de bons chevaux. Donc c'est surtout l'après-confinement. Pendant le confinement, j'ai travaillé en me disant dès que ça reprend les courses, on y va et objectif étrier d'or. Maintenant, sans s'enflammer, je voulais monter des courses, je voulais gagner des courses, surtout pour être sur le podium. De là à dire on va gagner et je vais battre Alexandre et Eric, j'étais pas capable de le dire. On a chacun nos écuries. Bon, bah, moi j'ai quand même gagné pas mal de courses pour moi, c'est sûr que ça y a joué. Et puis je me suis rendu disponible pour un peu tout le monde. Hein. J'ai essayé de monter le plus de courses possible. D'ailleurs, je crois que je suis le jockey qui a monté le plus de courses. Donc c'est pas un hasard. Donc voilà, j'ai essayé de monter pour le plus de courses, le plus de bons chevaux. On a essayé de faire nos réunions en fonction de ça. Mais c'est pas parce qu'on le veut qu'on l'a. C'est pas évident quand même. Il y a plein de circonstances qui font qu'on l'ait. Il faut être en forme, il faut s'appliquer à monter des belles courses, mais il faut les bons chevaux aussi, hein, sinon c'est pas possible. Donc oui, c'est toujours d'être sur le podium, c'est quelque chose quand même. Tu dis bon, j'en fais partie des trois bons jockeys, quoi. Maintenant, c'est pas si simple que ça paraît. Et cette année 2020, j'ai eu la chance
que tout s'est bien mis et qu'on a monté plein de bons chevaux. Et du coup, bah oui, tu dis, bon, bah, maintenant j'ai peut-être l'occasion de l'avoir, faut y aller, quoi, faut pas passer à côté, quoi. Ouais, 1 km à parcourir pour Gladys Desplaines qui va toujours bon train devant et qui tient bon pour l'instant. Gloire et beauté, bien calé dans sa roue. Grâce de Faël s'est rapproché. C'est vrai que c'est pas facile le trot, c'est beaucoup de. Bah, c'est les muscles qui travaillent beaucoup, hein, beaucoup de gainage. Et il faut monter régulièrement. Et c'est vrai que je suis grand maintenant. Ça fait longtemps que je monte, hein, j'ai réussi à trouver ma position et j'ai réussi à m'adapter. Oh, puis, ça peut arriver pendant le confinement, on essaie de faire un peu de sport, mais. Non, mais c'est vrai que quand tu réfléchis à notre position, c'est que du. Je sais pas, il faut être statique. Et si t'es pas en condition, si t'es pas prêt, les premières fois, quelqu'un qui a jamais monté sur un trotteur et qui monte du jour au lendemain, qui veut faire comme nous, il est sûr de tomber. C'est la première fois, c'est très dur. La jument, on est très bien dessus. C'est vrai qu'il y a des petits chevaux qui sont comme ça, qui sont en coulure très courte et très haute, on est mal, mais. Il y a des choses sur qui on est très bien et sur qui c'est très facile de monter. Et Gladys, non, moi je vous promets, je suis bien dessus, je suis bien scellé. Je pense qu'en effet, il y a certainement des jockeys driver avec certaines qualités qui correspondent mieux avec d'autres chevaux qui ont certaines qualités aussi. Et ça c'est, je pense que oui, ça c'est sûr. Maintenant, Gladys, je l'ai peut-être montée au bon moment. Elle arrivait en forme, elle était déférée des quatre pieds. Et puis, j'ai pas inventé grand-chose. Hein. La première fois que je l'ai montée à Laval, je la découvrais. Elle m'avait beaucoup plu. Et la deuxième fois, dans le président, j'ai essayé d'aller devant parce que je pensais qu'elle avait la tenue. Et puis, ça a collé, quoi. Maintenant, dans le président, c'était quand même un peu osé. Hein. Je sentais bien que j'allais vite, mais j'étais vraiment bien. Ma jument, elle était vraiment extra. Et ce qui me rassurait, c'est qu'à plus j'allais dans la course, plus elle m'emmenait. Et en haut de la côte, je me suis dit, c'est bon, t'as pas fait le fou pour rien, tu vas aller au poteau. Après, voilà, quand on est dans sa course, il faut être dans son truc, hein, faut pas penser à ce qui se passe derrière. C'est vrai que quand on regarde les panneaux d'affichage et qu'on voit que ça a été un peu vite, tu dis « j'ai peut-être cramé un petit peu trop d'essence », mais bon. Maintenant, elle est dure et du moment que tu vas au train de ta jument et de ton cheval, je pense qu'il y a un moindre mal. C'est vrai que c'est un bel enchaînement. On a gagné plein de courses, et en plus avec des bons chevaux et des chevaux de groupe aussi. Et puis ma petite Gladys, elle est en pleine forme. Elle est vraiment extra, la jument. On affronte les vieux pour la première fois. Ça va pas être évident. Je pense pas qu'on a la première chance, mais on a une chance d'être dans les trois premiers. Bah, le cornuier, déjà, quand t'es enfant, c'est Jacques de Belouet, quoi. T'attendais l'avant-dernier dimanche de janvier pour retrouver les cracks montés. Moi, ça, comme je vous l'ai dit, je suis passionné et ça m'a toujours passionné. Après, quand on court, c'est super loin. Tu te dis, si je le cours, c'est bien. La première fois que tu le montes, tu n'as pas de chance, mais tu te dis, bon, on le monte quand même. Et puis là, je crois que ça va être la première fois que je vais être aussi bien scellé. Donc, je suis plus mature, forcément. J'ai plus d'expérience. Donc maintenant, c'est à moi de jeu pour pas faire n'importe quoi. Tous les matins, on se lève et il faut y aller. Et comme tout le monde, des objectifs. L'objectif, c'est de gagner des courses. Hein. Donc le dimanche ou en province ou à Vincennes, il faut gagner. De se dire que je me mets un objectif, non, cette année, forcément, je vais essayer de regagner des courses montées pour défendre mon titre et pour être de nouveau sur le podium, parce que c'est important pour moi. Mais sinon, c'est tous les jours qu'il faut gagner des courses.